sang vise un peu cet endroit. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça a été repeint, la peinture est encore fraîche. La sorcière qui a fui le Douni, sorcière en vol, âme solitaire. La mort embrasse en cette nuit, quitte ce monde, quitte la terre.
Alors, qui t'a assassiné ? Le crieur, imbécile. Mais j'ai pas réussi à voir son visage. Qu'est-ce que tu faisais ici ? Je suivais une piste. Je n'ai jamais abandonné l'affaire. Il y avait cette voyante, Cassandra, qui travaillait avec moi. Ensemble, on avait compris que le crieur des morts s'en prend au médium. Comme un imitateur lancé dans une chasse aux sorcières. On ne pouvait pas laisser tomber. Même quand Rex m'a rétrogradé. Voilà pourquoi t'étais au musée. Où est le tueur ? Aucune idée. Il pourrait être n'importe où. Quand on s'est battu, il a dit quelque chose que j'ai pas compris. Attends une minute. Le tueur t'a vraiment parlé ? Pas beaucoup. Mais j'ai tout dit. Je la connais déjà. Et quelque chose à propos d'un instrument de mort qui servira à nouveau cette nuit. Son instrument de mort ? Est-il une manière différente à chaque fois ? Je saisis pas. Non, moi non plus. On doit découvrir ce que ça signifie. Est-ce que tu sais où est Cassandra ? Elle est encore vivante ? Aux dernières nouvelles, oui. Elle est dans une planque à l'extérieur de la ville. J'y crois pas, elle est vivante. J'étais résigné à la retrouver morte. Joy va être folle de joie. Quelqu'un doit veiller sur elle. Cassandra t'a parlé de sa fille Joy ? Ouais, elle n'arrêtait pas. On l'a cherchée pendant des jours, mais c'était trop risqué. Cassandra m'a supplié de retrouver sa fille, mais jusqu'ici j'ai échoué. Tu vas pas me croire. Joy m'a aidé cette nuit. Je me disais aussi qu'un flic dans ton genre aurait besoin d'aide. Oh, comme toi, quand t'as reçu l'aide de sa mère. Toi, tu vas retrouver Cassandra. Assure-toi qu'elle va bien et ramène-la au poste. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais fouiller cet endroit rapidement et trouver un plan. J'espère. La vertu, mais tu te sais coupable. Tu recevras le châtiment que tu mérites. Prenez pour le garant de la justice. Ceci est injuste.
tu prônes la vertu, mais tu te sais coupable. Tu recevras le châtiment que tu mérites. Je vous prenais pour le garant de la justice. Ceci est-il juste? La cour n'est pas un moyen de mettre en œuvre une folie meurtrière. Ce soir, Abigail, les familles des âmes innocentes, condamnées à la suite de tes fausses accusations, se verront accorder une juste réparation. Fausses accusations? Quelles sont ces inepties? J'imprimerai cette marque au fer rouge dans la chair de cette ville. Oui, même si ça doit me prendre l'éternité, je ferai moi-même exécuter chacune des sorcières de Salem. Hey. Attends, mon assassin est donc... Abigail? C'est elle le crieur des morts? Comment est-ce possible? Il faut absolument que je sorte d'ici et que j'arrive à la retrouver.
personne ne mérite d'être assassiné. Et quand un meurtrier tente de justifier ses actes en invoquant la vertu, ça fait de lui un dangereux psychopathe. Joy! Ronan, à l'aide! Plus un seul geste. Non, pas toi, Rex. Ça n'a rien à voir avec elle, Abigail. Oh si, elle le mérite. Pendant 300 ans, je me suis chargé d'exécuter les sorcières qui souillaient notre glorieuse ville. Allons-y. Celles qui cherchaient à dissimuler leur contrat démoniaque et manipulaient des pouvoirs répugnants. Exactement comme toi. Ne me comparez pas à elle! Tout doux, tout doux. Mettez les mains en l'air! À l'aide! Non, ne fais pas de conneries! Mains en l'air! Arrêtez-vous immédiatement! Allez! Tout de suite! Abigail, arrête! Espèce d'ordure. Qu'est-ce que tu fabriques? Pas maintenant. C'était toi depuis le début. Je ne voulais pas que tu découvres la vérité. Ronan, fais quelque chose! Tiens bon, petite. J'arrive, j'arrive! C'est terminé, Abigail. Le moment est venu, Abigail Williams. Fléau de Salem, l'heure est venue de payer pour tes péchés. Non, c'est impossible. Tu veux utiliser mes souvenirs contre moi? Je veux bien jouer avec toi.
Je connais la vérité sur ta mort. Mais je ne sais encore rien sur la mienne. Tu t'es servi de Rex pour m'éliminer. Rex était mon tueur le plus influent. Le plus respecté. Le plus craint de tous les puissants de la ville. Oui, je me suis servi de lui. Mais enfin, comment est-ce possible? Le tueur de Rose avait les yeux bleus, ceux de Rex sont noirs. Je n'ai pas utilisé le même tueur pour tous les meurtres. Baxter. Pourquoi as-tu tué Baxter? Je finis toujours par éliminer ceux dont je me sers. En particulier, ceux qui sont sur le point de tout découvrir. Mais moi, j'allais rien découvrir dans l'appartement. Je n'étais pas l'un de tes tueurs. Pourquoi m'avoir tué? Non. Non, impossible. Non, comment j'aurais pu? Tu m'as forcé à le faire. On a tous une part de ténèbres. Certains la dissimulent. D'autres pas. Avec de la chance, cette part peut demeurer secrète. Pour la loi, Rex était un tueur. Mais la loi ne l'a jamais découvert. Joy le savait. Mais elle n'est pas du genre à le dénoncer. Elle l'aiderait plutôt à effacer ses traces. Ce qui est sûr, c'est qu'elle vaut beaucoup plus que moi à son âge. Cette gamine mérite l'absolution. On lui doit bien ça. Et même le plus dur des flics peut fermer les yeux sur quelques délits mineurs commis par une ado à la recherche de sa mère. Maman ? Le crieur des morts n'a plus tué depuis le jour de la disparition d'Abigail. L'affaire n'a jamais été close. Les souvenirs s'estompent, le temps passe. Avec de la chance, Salem finira par trouver la paix. Mon père disait toujours, la mort efface les dettes. Et pendant un temps, j'y ai cru aussi. Mais à vrai dire,
peut quitter cette vie qu'en assumant ses responsabilités. En étant honnête. En remboursant ses dettes. Et alors, enfin, on peut partir. Ronan ?